Bonjour et encore merci de nous suivre tout au long des quelques épreuves de cette année qui n'affecteront pas outre mesure le championnat du monde. C'est peut-être aussi l'occasion de se détendre et de profiter du spectacle offert par ces modèles emblématiques. Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode d'Autocritique. On continue cette analyse de la carrière F1 2017 et on est parti pour tenter de faire au moins 3 tours avec cette MP4-13 sur le circuit d'Interlagos-Sobrisil. Alors on fait le point après les 3-4 premiers Grands Prix. On sort du Grand Prix ici de Russie avec un résultat assez incroyable. On a réussi à sauver des points avec une boîte de vitesse qui était complètement en fin de vie. On m'avait prévenu que ça allait souffrir. Et honnêtement, j'étais assez déçu de voir qu'après 4 Grands Prix, on avait déjà ces problèmes de fiabilité. Personnellement, je trouve ça plutôt cool. Ça ne me dérange vraiment pas. Et c'est quelque chose de très sympathique. Si on fait le point sur la carrière, pour l'instant, on remplit les objectifs. On est vraiment, vraiment en train de faire ce que demande l'équipe. On bat Esteban Ocon qui a vraiment pas eu de chance avec la casse moteur à Bahreïn. Ça c'est vraiment dommage parce que je trouve que ça casse un petit peu le combat en fait interne que je voulais instaurer avec Esteban Ocon. Pour l'instant la carrière se passe bien. Deux bémols à mon humble avis, la fiabilité des voitures qui n'est pas assez intéressante puisque c'est quasiment toujours les mêmes qui cassent. On a Felipe Massa qui n'a vraiment pas de chance. On a enfin moins de malchance pour Verstappen dans ce jeu cycle précédent. En ce qui concerne le reste, globalement je vais pas me plaindre mais... J'aurais espéré avoir plus de voitures de sécurité, plus d'actions extérieures à ce qui se passe en piste. Pourtant, je suis en simulation, je suis en niveau voiture de sécurité activée en course 50%, donc je ne sais pas pourquoi, mais les safety cars ne sortent pas, donc j'espère que Codemasters va penser à combler tout cela. Concernant la carrière et la fiabilité de la voiture, on va continuer à travailler sur ce qui est aéro et fiabilité. C'est vraiment ce dont la voiture a le plus besoin avec le châssis. Le moteur, on n'est pas obligé de s'en tracasser tout de suite parce qu'il est fiable. Contrairement à d'autres, ça tient, même si... qui a le cassé le plus je pense cette saison ça reste les moteurs Mercedes entre Felipe Massa, les Haas qui ont cassé quelques moteurs. Je suis assez surpris de la fiabilité des McLaren qui n'ont pas trop cassé hormis Fernando Alonso qui a eu quelques soucis. Stoffel n'a toujours pas cassé, c'est vraiment incroyable. Je suis aussi déçu du temps que mes Codemasters a patché le jeu parce qu'on aurait aimé avoir déjà les Williams avec les sponsors, enfin tout ça fait un peu bugger. J'ai quand même pu mettre mon casque personnalisé, ça c'est plutôt cool, merci d'ailleurs à Hugo d'avoir passé beaucoup de temps et à le réaliser et à me l'expliquer. Comment modder ce foutu casque dans F1 2017, on y est arrivé. Mais voilà, donc pour le moment, je suis plutôt content de la tenue de la carrière et du roleplay. J'ai dû changer aussi mon prénom, vous me l'aviez demandé. On a dû passer de Maxou à Maxime, ça me dérange pas du tout, ça change un petit peu mes commentaires, j'aime plutôt bien. Ça fait un peu plus sérieux et un peu plus privé. On va débarquer à partir de la prochaine course en Europe, ce sera du côté de Barcelone. Et j'ai vraiment, même si bon, on considère déjà la Russie comme l'Europe, mais bon. Je trouve ça plutôt cool de voir que la voiture se comporte bien, par contre je n'aime pas du tout les circuits qui arrivent en termes de tracé, je déteste et franchement j'aime pas Barcelone, je suis pas vraiment un grand fan et l'Azerbaïdjan non plus, donc on va sans doute souffrir, on va continuer à augmenter la difficulté de l'IA, on a commencé à 85, on est à 88 aujourd'hui, on va passer à 90 je pense dès Barcelone pour continuer à avoir ce challenge malgré l'évolution de la voiture. En parlant de challenge, alors que je vois que mon casque est un petit peu glitché sur le replay, voici la version replay de ce que vous venez de voir pour avoir un peu le son et les images de cette McLaren qui pour moi est la plus sympathique, vraiment la plus fun des voitures entre guillemets historiques à piloter. J'aime beaucoup cette voiture déjà parce que j'étais fan de son pilote étant petit, ne me tapez pas si vous étiez fan de Michael Schumacher. En tout cas moi j'aime beaucoup beaucoup cette voiture et ça me fait vraiment plaisir de la retrouver. J'espère vraiment que Codemasters va se bouger pour la suite, vraiment. J'espère vraiment qu'on va pouvoir enfin avoir des skins sur les voitures parce que bon, on a quand même trollé la communauté console de pouvoir mettre des skins, on peut pas le faire. Donc là, on a été tous marrons. Ça concerne aussi l'e-sport avec l'attrait du jeu pour l'e-sport, ça commence à être vraiment intéressant. Par contre, avec les problèmes de cheat, etc., on peut pas encore trop tripatouiller dans les fichiers du jeu. C'est un peu dommage, je vois pas en quoi mettre une bande rouge sur une Williams pose un problème au jeu, mais je pense que ça dépasse tout simplement mes compétences en termes de modding et de gaming tout simplement, et de développement de jeux vidéo bien sûr. Alors
Pour la suite, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous attendez de l'équipe Force India pour l'Europe. Moi, j'espère encore glaner des points. J'espère qu'Esteban va se remettre un petit peu de sa situation avant l'Europe parce qu'il en a bien besoin. Il est clairement en déficit de points par rapport à nous. On vise toujours la 5e place au classement constructeur, même si on doit être 9e pour l'équipe. Moi, je dois battre Esteban et je dois rester 5e. On est en gros duel avec les As qui me posent beaucoup de problèmes en course. Je suis souvent bloqué derrière Romain Grosjean. D'ailleurs, ça commence à être un gimmick d'être bloqué derrière la As. En tout cas, on essaie de piloter proprement. On n'a pas eu de grosses pénalités, de gros soucis jusque-là. La saison se passe bien, on a de la chance et on va continuer avec les prochains Grands Prix qui arrivent. J'espère mettre des points du côté de l'Espagne. En tout cas, mon moteur va m'y aider. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de problèmes en Azerbaïdjan parce que je déteste le circuit, comme je vous l'ai dit aussi. Entre deux, il y aura le Canada. Là, c'est une piste que j'aime beaucoup. J'espère que le bug... On a eu un petit bug avec Andy du côté du Canada en coop. J'espère qu'on n'aura pas le même bug en carrière. Je ne sais pas si vous en avez eu aussi. En tout cas, n'hésitez pas à les report dans la description. En tout cas, je vais vous laisser terminer le tour avec le son de ce moteur Mercedes. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Autocritique. N'hésitez pas à vous exprimer sur le positif et le négatif de la carrière. Je, bien évidemment, lis et réponds aux commentaires les plus intéressants si vous avez des questions, bien entendu, dont la réponse ne se trouve pas ailleurs sur la chaîne ou si on n'y a pas déjà répondu 50 fois, bien entendu. Allez, merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode d'Autocritique et à la prochaine pour d'autres aventures sur F1 ou sur ailleurs. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, quelle que soit votre simu favorite. À la prochaine, salut.